Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur Steep. J'aime toujours commencer avec la vue sur la montagne à chaque fois. Je trouve ça toujours trop beau. Et donc, eh bien, écoutez, on part pour quelques glisses. Et puis on va essayer de faire un peu plus de challenge que l'autre fois. Parce que dans la dernière vidéo, on était plus en mode... On glissouillait un peu partout, on allait... Voilà. Après, ça va être de la détente malgré tout, hein. Mais voilà, et voilà, on est parti. Là, je pense qu'on l'a déjà ce défi, j'espère. Donc on part. On commence en snow, pourquoi pas. Et wouh! Hop là. Et ça fait toujours du bien de revenir. Après, en plus, faut savoir que je n'y joue pas, hormis en vidéo avec vous. Aïe. On s'est ramassé. Donc à chaque fois, il me tarde de faire la vidéo. Allez, relève-toi mon petit. Ah puis c'est... ça claque à chaque fois les images. Cette impression de liberté. C'est pas qu'une impression, cette liberté. On peut tenter le double. Oui, ça passe, ça passe. Hop là. Allez. Allez là, on a pris de la vitesse. On va tenter le saut. Oh, ça passe le double, par contre il y a des rochers. Ça c'est pas très bon ça, quand tu fais du snow et du ski t'es pas fan de te prendre des rochers dans la tête habituellement. Mais bon, hein. Il en faut pour tous les goûts. Bon, on va aller se chercher des défis, ne vous inquiétez pas. C'est juste histoire de commencer, on se met en jambe comme ça. Plus c'est cool sur SFR, alors je sais plus, je crois que c'est Sport 3, je regardais. Il y a du freestyle, du ski, du snow, etc. qui est proposé à la télé. Ah tu vois, ils sont talentueux. Ils sont très très talentueux, mais voilà. C'est toujours super spectaculaire à voir. Allez, on va s'arrêter là, on va remonter. Et on va aller voir. Ce défi, on l'a fait. Hein. C'est ça. Ouais, ça veut dire qu'on a déjà un record parce qu'il y a 1000, je sais pas quoi marquer. Voyons voir. Déjà, pourquoi pas changer de lieu. Soyons fous. Voyons voir. Qu'est-ce que c'est ces trucs-là. Mais bon, les défis difficiles, je suis pas à l'aise. Difficile, mon record. On en a pas. Bon, on peut le tenter. Allez, c'est parti. Voyons voir. Marquer uniquement des points avec des tricks. Ouais. On va essayer. Hop là. Ça va être difficile. Faut ralentir parce qu'il est un peu nerveux. Ça va, c'est propre. Allez, calme-toi, calme-toi. On passe par-dessus le rocher, c'est pas mal. Bon, on marque des points, est-ce que... Ouais, on a la médaille d'or. Eh bien écoutez, ben voilà, ça commence bien, n'est-ce pas? C'est beau aussi, avec cette luminosité, c'est un peu différent, c'est genre fin de journée. Le soleil est en train de se coucher. Mais c'est vrai que quand t'es sur les pistes, je trouve que ça donne pas cette... Si peut-être avec les lunettes particulières, avec le masque particulier, peut-être que ça donne... Voilà. Bon, on a dit qu'on faisait des défis en attendant, mais voilà, moi dès que je pars après, je glisse, je me dis allez, on va voir jusqu'à... Hop, derrière ce boss, derrière César, voilà. Et on s'arrête jamais avec tout ça. Donc ça va pas. Là. Allez, on va s'arrêter là. Et on va remonter, on va aller chercher de nouveaux défis. Il y en a un là. Moyen, mais on a un score. Nous. Oui, on a déjà un score. Donc en fait, j'essaie de voir c'est quoi ça. Score à battre 7 minutes. Mon record 7.04. Bon, on a déjà plus ou moins le truc là. Score à battre, mon record. On n'en a pas de record. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Difficulté facile. Et on va voir. Marquer le maximum, c'est à dire il faut faire
qu'est-ce qu'il faut faire? Faut faire des sauts particuliers. Si, si, marquer des points. Ok, c'est juste que la médaille de bronze est très très basse. J'aurais dû prendre de la vitesse pour faire un premier gros saut, quoique. L'autre n'a pas trop de vitesse non plus, c'est marrant. Hop là. Allez, on va aller chercher les 800 points pour la médaille d'argent. On va suivre l'adversaire. Salut! Non, 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 ça pouvait pas passer, ça, n'importe quoi. Il s'est pas ramassé, lui, aussi. J'ai cru. J'ai cru, j'ai vu de la neige. Allez, hop, on essaie de reprendre de la vitesse. La médaille d'or est à 1500 points. Soit pour dire que c'est pas très dur si on faisait pas n'importe quoi. Oh, il y avait un beau saut à faire, normalement, là. Bon, je rate des trucs. On essaie de se prendre à peine le rocher, voilà. Hop, le truc qu'il ne faut jamais faire, en vrai. Mais bon. On a largement battu. C'est des trucs faciles. Après, c'est vrai que c'était niveau de difficulté facile. Là, on va chercher les chiffres. On change de grade. Ah, on est à le rocher. Le rocher qu'on n'avait pas vu venir. Allez, c'est pas grave. Hop. On prend un peu de vitesse. La ligne d'arrivée là-bas, mais bon. Ce défi n'était pas très compliqué, dirons-nous. Parce que franchement on n'a pas fait une jolie run là, clairement. J'ai préféré faire qu'une rotation. Parce que on commence à connaître les ratés, hein, les gars. On commence à avoir l'habitude. Hop. Passe. Sans souci. On essaie de voir vers où ils nous disent d'aller. Ça plante un peu, ce serait pas top. Et la ligne d'arrivée est juste là. Je vais pas chercher les records en ligne ou quoi que ce soit. Hein. Vous imaginez bien déjà vu mon niveau. On en serait très loin. L'objectif c'est de s'amuser. Une fois qu'on a la médaille d'or, ici on est déjà très content. C'est pas le moment de se reposer. Faut que je donne plus. Que je continue à aller toujours plus loin. D'accord. Là c'est marrant, on dirait comme si on était sur les. Sur le tube. Hein. La chance du débutant. On n'est pas débutant, oh, victoire écrasante. Oui, mais c'est vrai qu'en même temps, c'était tellement facile celui-là. On a un plus bas, mais on a le record. C'est du parapente, hein, on n'est pas très doué souvent à ça. Mais difficulté facile. Ah, mais on l'a déjà. On a eu que la médaille d'argent, on est nul. On est tellement nul. Ah, on casse les oreilles, ça. Ça agresse les oreilles, le truc, c'est. Ça rend même pas compte. Et la caméra, elle est vraiment mal faite, je trouve, le truc d'inverser la truc sur la. Alors. Bienvenue au Derby de Saint-Elbourg. Un ride plus mortel que la machine à écrire de George Martin et plus dur à descendre qu'une pinte de bière éventée. Pour dompter la masse, reste sur les plateformes et par les checkpoints passe afin que les crevasses tu évites. On l'a déjà entendu, mais il n'y a pas de. Ça y est, je me souviens, il n'y a pas de. On nous dit ça, mais regardez, il n'y a aucun endroit pour partir en fait. On a A pour commencer. Ah, c'est parti, frappé. Je suis emmené. Je suis emmené. On aurait peut-être dû prendre les skis. Parce que. On va voir. Eh ben, plus que 3. Regardez la concentration sur le visage du rider. On prendra les skis. Concentration à faire cailler un bol de lait. On va le retenter, mais on va prendre les skis. Si vous le voulez bien, histoire de changer, de varier. Je sais pas si on a besoin de rester sur cette truc en bois. Ça permet de faire gagner du temps. Parce... plus que 3. Regardez la concentration sur le visage du rider. Tout à fait. Une concentration à faire cailler un bol de lait. On passe en switch. C'est pas grave, c'est pas grave. On peut le prendre comme ça. Mais qu'est-ce que tu fais? Arrête. Il s'énerve. On approche du virage. N'oublie pas de te pencher ou tu vas bouffer de la neige. Et souvenez-vous les amis, si c'est jaune, non pas. Bon, on se concentre les gars parce que. Ce qui m'énerve c'est que je me souviens que je l'avais fait en vidéo, sauf qu'on n'avait pas activé le truc comme un crétin, mais on y arrivait beaucoup mieux. Plus que 3. Regardez la concentration sur le visage du rider. Une concentration à faire cailler un bol de lait. Il se croit drôle.
Envole-toi, oui. C'est déjà mieux. Allez, concentrez les gars. À présent, on approche du virage. N'oublie pas de te pencher ou tu vas bouffer de la neige. Et souvenez-vous les amis, si c'est jaune, on n'en mange pas. Parce que c'est vraiment dégueulasse. Et voilà, on est en approche de la ligne d'arrivée. Directement en direction du ventre de la neige. Je sais pas si on prend l'air, on va voir. Attention, 1, 2, 3, tease. Et tu te calmes. Au final on fait pas le truc, enfin je sais pas, si normalement c'est prévu de tirer le truc à moi, sauf que on s'est raté, alors on revient dans le truc là, et il faut aller là, dans la gueule du style de chat. Et voilà mesdames et messieurs, chers amateurs de ski du jury, comment ça se passe au derby? Ah, ils sont tombés après. Si quelqu'un on a débloqué le casque de chasse. Une bonne assiette des choucroutes, parce qu'après une descente comme ça, on a besoin d'un bon remontant. Oh, on est presque passé level 16. Ouais. Ok, donc je comprends maintenant un peu le principe de tout ça. Désolé pour les précédentes vidéos où j'avais pas bien tilté. Donc ceux qui savaient y jouer, ils devaient se dire mais qu'est-ce que tu fais? C'est marqué. Donc, il suffisait de lire quoi. Et bon. Après le système d'arrêter ta rotation à la fin pour essayer de... C'est plutôt cool, là, hop, tu leur ralentis ta rotation. Allez, comme d'habitude, je continue. Et c'est vrai que, en fait, le truc, tu te laisses prendre à chaque fois. Tu te dis, allez, un petit saut de plus, un petit saut de plus. Allez. On va s'arrêter là. On va essayer de mettre la tête de chat. Hop. J'aime bien ça. Ça avait l'air marrant. Comment on y va hein? Ah, toujours pareil. Tiens, non. C'est là. Acheter, non. Là, vêtements. Il est où notre truc? Mais c'est pas pour les acheter. On l'a gagné normalement, non? Attendez, je comprends pas. Je veux pas acheter. Il se moquerait-on de nous? Attendez. Pour être sur personnage. Si tu vas à personnage, tu vas à vêtements, accessoires. Là. On prend ça. Ah, il est là. Ah, ben voilà. C'est bien. On avait le truc du poulet aussi. Donc c'était sympa. Non, on va garder ça. Allez, on est bien comme ça. On n'a pas un sac drôle un peu. Non, c'est que des sacs classiques. Un sac Ubisoft. Bon. On a pas de truc plus drôle. J'ai pas l'impression. Donc on va aller chercher un autre défi. Mais si je comprends bien, qu'est-ce que c'est ça? Free World Rainbow. Oh, on l'a fait ça. Difficile. Hein. L'aiguille verte est l'une des mondains raid. Et si ton ami en parapente, si ton ami en X-Suite. Oui, en fait c'est pour résumer, mais on va rien avoir. Si. Ils vont nous lancer dans quelque chose, je sais pas trop. Ouais, toujours pareil, je suis un peu dans l'interrogation. Tiens. Quel est cet avorton assez brave pour perturber notre repos? C'est sympa la petite encore mise en scène à chaque fois. Qui croit avoir suffisamment de courage, enfin, moi, pour j'aime affronter bien des environnements cruels et impitoyables et des descentes parsemé de roches tranchantes comme des rasoirs. Ne te fais pas d'illusions. Qui nous sommes? Nous sommes les sœurs, vieilles comme le monde, et refuge de sommets escarpés, chaotiques et harassants. C'est les montagnes qui nous parlent, en fait. Nous offrons les épreuves les plus difficiles, qui jouent avec les nerfs des plus grands talents. Mm-hmm. Si tu échoues, nous t'avalerons oui tout cru. Mais si tu réussis, peut-être seulement, gagneras-tu notre respect. D'accord, et on est passé level 17, mais il n'y a rien de plus à activer en fait. Objectif, raid et suite ton ami, mais il est où? Ça c'est un joueur, un multijoueur qui est en même temps que nous quoi, c'est tout. Mais c'est stylé là, franchement. C'est stylé là, la montagne, ça fait un peu peur là. Wouh.
Ça va aller. Maintenant, faut essayer de s'arrêter. On tombe à la fin, dommage. On n'était pas loin de pouvoir ne pas tomber. Est-ce qu'on peut passer par là? Oui. Hop là. Non, pas par là. Par là. Ah bah on atterrit là dans... Le truc pour remonter là, tu te retrouves un peu bébête. Donc en fait là c'était un peu la présentation de la montagne, mais on avait déjà fait ces défis en fait, hein, en grande partie. Il allait parler. J'ai un ride de malade à te proposer. J'ai repéré 5 trous parfaits de 2 mètres sur un versant des aiguilles. Tu vas descendre à pleine bourre et passer à travers comme un missile. Ah ouais, mais ça c'est du wingsuit. Non, j'ai pas envie là. On va dézoomer, on va partir. On va partir ailleurs. Donc ça c'est la route, sauf que j'ai pas pris l'extension qui me tentait pas. Vous allez pas me dire qu'on a fait tous les défis. Sur ce coup-là, Salomon te met en équipe avec quelqu'un de chez eux. J'y suis allé pour vérifier l'itinéraire. Tu me croiras pas, mais il y a plein de spots incroyables. Alors éclate-toi surtout quand tu traverseras les vieilles ruines et les forêts. Et n'aie pas peur de te la péter un peu. Les types de chez Salomon, ils adorent ça. Surtout pour ce genre de... Ok. Mais c'est où qu'il faut aller? On l'a faite, là. Je vois un truc jaune, ça veut dire qu'on a déjà une... Attends. Ton objectif. Je m'appelle Aravi. Et ceci est mon histoire. Qu'est-ce qu'elle va dire? On commence. Ta, stop. Non. C'était magnifique. Il faut commencer de là, c'est ça? Je suis la montagne. Non mais attends, tu triches. Bien s'il faut suivre lui. Et aussi vieille que la terre elle-même. Attends-moi. L'été, j'offre des pâturages magnifiques sur des sommets rocailleux recouverts de fleurs sauvages et de bétail. On le suit. Mais ici, aujourd'hui, au cœur de l'hiver le plus rigoureux, je fais cadeau de mes pics enneigés et de mes paysages aux innombrables possibilités. C'est trop stylé là. Tu rides avec le mec à côté. Ça c'est cool, ils ont pensé à faire juste ça. C'est super sympa ça, d'avoir mis ça en activité. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Certains d'entre vous exploreront les forêts blanches à pied. En plus, il fait un peu nuit, tu sais, c'est comme mode. D'autres les traverseront à toute allure jusqu'en bas. Parfois à la lumière du jour, parfois la lumière. Ça fait un peu comme en vrai, c'est cool. Je offre à tous ceux qui passent un monde de plaisir, un monde inédit. Oh. Ah, c'est chouette, l'ambiance est tellement chouette, attention. Non, l'ambiance est très bien trouvée. D'anciennes ruines splendides. Avec la petite voix qui parle en plus. Construite il y a longtemps par des hommes et des femmes d'une époque oubliée. Alors où il nous amène? Des empilements de pierres, que vous appelez cairns, disposés sur mes terres pour indiquer les glorieux sommets et pistes que j'ai à offrir à ceux qui ont le courage. Il est passé où? Il est allé en face? Non, j'ai eu peur. On me disait il fallait me faire prendre. Ouh, il a pris une accélération, donc on va essayer de le rejoindre. Il était énervé. On va quand même en profiter pour. Et quel non. Boulet. Et je vous promets que si vous parvenez à compléter ce qui vous attend, essayer de le rejoindre. Vous repartirez avec la plus belle des récompenses, des souvenirs, de magnifiques souvenirs. Là, c'est pas trop défi, c'est plus. À la cool, c'est marrant, on voit les traces qui se font dedans, c'est comme s'il y avait un fantôme qui se tient. Aïe, oh, je suis nul. Certains d'entre vous me découvriront à pied, ou sur ces étranges objets que vous vous attachez aux pieds. Tandis que d'autres encore s'envoleront pour planer de mon sommet jusqu'aux eaux à mes pieds. Oh, on a débloqué un bon intérêt. Il nous amène dans des endroits qu'on n'avait pas vu. Donc c'est plutôt cool. Et on l'a rattrapé. Wouh. Ça c'était pas prévu ça. Prenez le temps en chemin de vous arrêter. Oh c'est moche ma descente, je suis désolé les gars. Car traverser ces lieux splendides sans se délecter de sa beauté. Il y a un... Ça va être un péché.
un barrage en bas. Attention, ça fait. Des paysages variés aux parois parsemées de falaises abruptes, des pentes raides à l'immense manteau neigeux immaculé. Hop, on a sauté en même temps, c'était assez marrant ça. Plutôt cool. Non, c'est très très chouette là, c'est tout bête, mais en fait tu fais pas grand chose là, tu glisses un peu comme tu veux, mais c'est très bien trouvé, voilà, avec la personne qui explique un peu ce qu'est la montagne. Ah, ils ont géré Ubisoft sur ce jeu. Vous n'avez qu'à me dire ce que vous voulez. Mais évidemment, ceux qui veulent faire que du challenge, je pense que le jeu en devient ennuyeux. Je vous indiquerai la bonne direction. C'est pour ça qu'il faut cela couler douce aussi de temps en temps dans le jeu. Et bien alterner tout ça. Il est parti où ? Il est parti là-bas. Allez, on y va. Dans des paysages. Là, tu t'arrêtes. Comment ouais, tu as l'impression de vraiment de t'es en mode. Waouh, allez, zoom. Avec le petit saut, les petites animations. L'animation du skieur est vraiment très bien faite. Je la trouve limite mieux faite que le snowboarder. En fait, c'est pour ça que je préfère pas le skieur au snowboarder. Enfin, je la trouve un peu mieux faite. Cette prise va permettre de faire un épisode vraiment cool, ça c'est sûr. Les séquences nocturnes rendent toujours super bien à l'écran. Alors je vais voir ce que je peux faire pour que les mecs de chez Salomon puissent te confier quelques petits boulots pendant qu'ils sont ici. D'accord. Eh ben on va remonter. Ça fait encore quelques petits trucs. On va pas abandonner de suite. Là je sais pas, c'est Snowpark. Ah, on n'a pas de record. On n'a jamais rien fait. Difficulté moyen. On va voir ce qu'on peut faire. Ça va demander d'aller chercher des points. Attention. Arc uniquement avec des tricks. Attention. Ça démarre pas trop mal. On part un switch. Ça par contre c'est pas très bon. Allez, reviens. Ça c'est voilà, petit raté, mais on est dans la médaille d'argent et on va essayer d'aller batailler pour la médaille d'or. Ah non non non. Nine nine. Je bin un mauvais skieur. Allez. Si on n'a pas la médaille d'or, on la refera parce que je sens qu'il y a moyen si on glanouille pas trop. Donc. Mais on a assez dommage parce qu'on a vraiment bien commencé, je trouve. Voilà. On ramènera pas la médaille d'or, on en est pas si loin que ça. Et c'est pour ça que. On sort avec 2357. On la retente. Si vous le voulez bien, je sais qu'on peut faire mieux. Allez, il n'y a pas besoin de prendre trop de vitesse au début, je crois. Oui, il va rechercher des points là, vous avez vu le médaillé d'or. Et il a pas tort parce que de toute façon, on arrive tellement vite. Pas trop mal. Allez, hein. Non! On relance. je vais être chiant. Mais je sais qu'on peut le faire. En fait, lui, il s'amuse à aller chercher déjà des points là. Ouais, 85 points, est-ce que ça sert à grand chose? Bon, on verra hein, si on. Ouais, mais. Allez, on rate un saut à cause de ça. C'est pas bien. Ouais, puis là, on retombe pas bien. On va voir, on va essayer de continuer quand même la run parce qu'on est déjà à 2700, donc voilà, c'est mieux, 3400, mais voilà, on va aller chercher la médaille d'or, bien mieux. Allez, on va essayer, hop, on se remet, on arrête de se mettre en switch, on se remet face à la piste, et le dernier saut, wouh. Ouais, j'ai pas relâché assez tôt le grade. Mais on va chercher la médaille d'or. Ça se saute dès comme vous pouvez aller la chercher relativement facilement. Et on remonte. Pour voir s'il y a d'autres défis. Ah, le parapente.
On l'a déjà fait. Ah. Qu'est-ce que c'est? Mais là, ça demande de rien, en fait. C'est ce qu'on... J'essaie de voir, en fait, je comprends pas toujours tout. C'est pour ça. Et puis, c'est pas bien précis. Pour voir des filles 10 sur... Genre, est-ce qu'on les a fait? Est-ce qu'on les a pas fait? Je trouve pas ça clair. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, et maintenant, je voudrais te présenter mon vieux pote Sid, l'arbre qui chante. On l'a fait, ça. Bonjour. Ah, pour commencer. Hop, c'est parti. Qu'est-ce qu'il faut faire? Atteint le toit de l'église dans le village du Bec Oiseau. Mais c'est où? Il est où? Attends, tu te moques de moi? Je sais pas où il est, moi. Le toit de l'église, vous pourriez au moins me dire vers où elle est, l'église? Non? Eh, ils sont gentils, mais... C'est impossible à faire, leur truc. Non, je sais pas. Enfin, en plus, je vois pas de village, là. On est là, hein, nous, vous voyez? C'est que des rochers, y a pas de village. C'est ça, là-bas? Attendez. C'est ça? En fait, ils nous mettent super loin, on ne sait pas trop pourquoi, c'est ça. C'est ça, ils veulent quoi. Mais... Bon, ok, je veux bien ton défi, mais ne nous mets pas là. Regardez où on est. Attendez, on est là. Je sais pas trop de... En fait, je sais pas comment ils veulent qu'on y aille, là. Bah, on peut pas remonter les pentes comme ça. Faudrait qu'on arrive de là plutôt, non? On peut pas se téléporter plutôt là? Bizarre. Non, ce défi c'est n'importe quoi. On est d'accord que ce défi c'est n'importe quoi. Bon. Donc on va chercher autre chose parce que j'aime pas. Enfin, je le comprends pas. Il faudrait qu'on fasse un détour énorme. Sauf si on part. Oui, mais il nous laisse pas partir du Mont Blanc parce que c'est pas encore notre niveau. Travis et Zach ont passé les deux derniers jours à reconnaître le parcours. Ah, et ils ont trouvé le spot parfait. C'est un glacier sur le Mont Blanc. La neige. Ok. Mais quand tu veux. Alors, faut qu'on fasse quoi? Glacier, blablabla, gagner des points de freestyle. On va vite. Où on arrive vite. Vous entendez le vent siffler? Hop là. Ah, c'est excellent. Par contre, ouais. Ça va pas. Glacier des points extrêmes orange. Ça va pas en fait. Il fallait faire un. Alors je sais pas ce que c'est les points, on voit les barres rouges, il faut les remplir, hein, si j'ai bien compris. Mais je sais pas trop comment les remplir, je comprends pas trop le système. Il y a des trucs quand même, tu passes de défi. Hein. Ah bon? Continue. Ça rend super bien à l'écran. On a réussi à faire un truc. Si tu veux, on comprend rien. Mais bon, on s'amuse, on descend, là, on dévale ces pentes abruptes. Aïe, aïe. Calme-toi, hop, on essaie de ralentir. Et ralentir. Allez, on repart. On switch. Hop. Et attention. Je peux pas trop m'avancer avant d'avoir vérifié, mais je crois qu'on tient une vidéo en or massif. Est-ce que c'est là-bas? Objectif terminé. Mais non, c'était au-dessus. Ah. Ok, c'est bon les gars. C'est bon. On a ce qu'on est venu chercher. Ah bon, oui. Beau boulot tout le monde. Beau boulot. Ouais, pas mal. Bah, fabuleux. C'est pas mal du tout. Je crois qu'on a fait du super boulot sur ce coup-là. Je vais regarder la vidéo pour voir ce qu'a donné le run. D'accord. Mais non, voilà. Avec le petit casque de chat. Il me faudrait le même. Hein. Je
le même ARL. J'en ai un tout basique. Ça serait plus fun ça. Allez, attention, on va se faire ça. On tente le triple. C'est passé, le triple front flip nose grab. Donc le triple, c'est parce qu'on a fait 3 tours. Front flip, c'est parce que c'était des sauts en avant, lâchés vers l'avant, comme ça. Hop, vous voyez, ça c'est un front flip. Et nose grab, c'est parce qu'on a grab, c'est attrapé, et nose, c'est parce qu'on a attrapé l'avant des skis. Voilà, je vous ai expliqué un peu. Vous voyez là, hop, là on a fait nose grab. C'est marqué en mal. J'essaie d'expliquer un peu les trucs, même si je m'y connais un peu, mais pas non plus parfaitement. Mais voilà, je me suis toujours intéressé à ce petit truc. J'aimais bien tenter, je tombais beaucoup, mais j'aimais bien tenter ces petits trucs. Je tente toujours d'ailleurs régulièrement. J'aime bien faire des petits trucs, même si on devient un peu moins casse-cou avec l'âge. Je pense que nous on va pouvoir s'arrêter là. On a bien avancé, on a fait quelques missions, on a avancé des trucs. Le principe, c'est pas d'arriver à la fin de je sais pas quoi, être enfin moi c'est le principe de découvrir la montagne à chaque fois avec vous, s'amuser, et voilà. Faire quelques défis supplémentaires. Hop, attention, allez, on va essayer de faire de prendre de la vitesse et de faire un joli saut en départ en switch. Et ben non, voilà, on s'arrêtera sur ce fail. J'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas. Je me suis bien amusé. Merci à vous d'avoir regardé. On se retrouve dans d'autres vidéos. Steep, ça continue toujours. Hein. Une fois par semaine, je vous propose quelques petites descentes. Merci à vous d'avoir regardé. Et à très bientôt. Bye bye. Bon sang.